Allez, salut, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, dans un premier temps, je veux d'abord remercier ceux qui m'écrivent. Voilà. Et ceux aussi qui adhèrent au groupe WhatsApp. Et en même temps, je voulais rappeler un peu à ceux qui m'appellent lorsque je ne réponds pas. Sachez que nous avons au moins 4 heures, 5 heures, 6 heures. En thème de, je vais dire, en thème de fuseau horaire, vous comprenez. Donc, quand c'est comme ça, parfois ils se couchent et lorsque vous appelez plusieurs fois et que ça ne passe pas, et lorsque vous appelez plusieurs fois que je ne réponds pas, sachez que peut-être ils sont occupés ou bien tu es comme ça. Ou bien ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que avant au moins avant de m'appeler, essayez de voir un peu sur Google, quelle est l'heure. Quelle est l'heure qui se trouve là-bas ou bien ici en Russie? Comme ça, vous allez voir un peu l'écart qui se trouve entre nous. Et si vous devez arrêter d'appeler, vous allez arrêter d'appeler. Vous comprenez? Voilà. Sinon, moi, ça ne me dérange pas. Mais le souci, c'est que parfois, il se couche, parfois, il dort. Et puis voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui insistent à appeler. Et je sais pas. Donc, voilà, donc je voulais parler de la bourse comme ça, parce que j'ai reçu assez de messages en ce qui concerne la bourse de Dickinson. Sachez que la bourse, l'université de Dickinson se trouve, il y a des universités qui se trouvent aux USA, il y a des universités qui se trouvent au Canada. Vous comprenez? Donc sur la plateforme, lorsque vous allez aller sur la plateforme, vous allez avoir l'opportunité de choisir soit l'université qui est au Canada, ou bien l'université qui est, comme je vous ai montré sur la vidéo, ou bien l'université qui se trouve aux États-Unis. Voilà, pour pouvoir postuler et chercher à avoir une admission et ensuite une bourse. Maintenant, ce que je voulais rappeler, c'est quoi? C'est que c'est un thème du certificat. Il y a ceux qui auront comme ça des certificats et qui vont directement faire, ils vont mettre en ligne directement et postuler pour chercher une admission. Il y a ceux qui vont postuler sans certificat et lorsqu'ils vont avoir une admission, ils vont leur demander de faire quoi? De passer un examen de test d'anglais. Voilà. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas dans ces deux domaines-là, alors je vous conseille vivement de chercher une autre bourse parce que dans cette université-là, ils ne font pas de cours d'anglais d'abord avant de commencer le cours. Voilà, soit il y a deux options. Soit dans un premier temps, vous postulez, vous-même vous avez un certificat d'anglais, vous postulez avec. Ou bien dans un second moment, si vous n'avez pas de certificat, lorsque vous allez passer et que vous allez avoir l'admission, ils vont vous demander comme ça de passer un test d'anglais avant d'adhérer à leur université. Donc, c'est un peu ça, il n'y a pas d'autre moyen. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre moyen. Pour ceux qui m'envoient des messages et tout ça, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, donc c'était un peu l'aperçu, c'était un peu l'information que je voulais vous donner pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Et en même temps, je voulais aussi dire de vous abonner à la chaîne Facebook. Voilà, à ma chaîne Facebook. Voici le lien qui se trouve juste là. Essayez de vous abonner à ma chaîne Facebook. Et c'est tout. Merci à vous. Et puis, voilà, à plus.